Bonjour youtubeurs, youtubeuses et mes chers amis que je vous aime. Nous sommes à Vigneux. Non. C'est pourri, mais de chez pourri. Et on est à. On a départ un tour à Nose et à Action. C'est par là le bus? Oui, c'est par là le bus. Mais les toilettes, c'est où? Les toilettes? La pipi, monsieur. Dans le champ. Dans le champ. Dans les galeries. Nous sommes avec notre abonné préféré. Vous savez, la chieuse emmerdeuse. Non, elle rigole, elle plaisante. Non, je suis une chieuse et une emmerdeuse, vous l'avez dit tous sur le live. Ouais, c'est vrai, je confirme. Et je peux vous le remettre en live si vous voulez. Je confirme. Donc, pas une... En plus, c'est lourd encore. C'est... Je suis une gentille petite fille. Voilà. Qui a un drôle de caractère, mais gentil. Voilà. Non, elle est très très gentille, c'est une personne très gentille. La couper, hein. Elle rigole, elle plaisante. Tu la coupes par là. Tu coupes quoi? Ta tronche? Tu coupes ta tronche? Non, on ne boit pas là. Mais non, on ne boit pas, alors, t'inquiète pas. Je te dis, je respectais ton intimité. Oh, voilà, je te commanie, je vais filmer, je vais présenter la vidéo pour toi. Tu vas dire, c'est l'abonné qui te présente la vidéo. Voilà. Il y a la miss derrière. Ouh, elle a pris plein la tronche. Le problème, c'est qu'il se pose, c'est que ma fille, elle écoute les laver. Bon, allez, on s'est montré pas. On va traverser. On va au champ. Mais pourquoi tu veux traverser? Il faut qu'elle fasse pipi. C'est là au champ. Mais c'est là-bas au champ. Oh là, vous faites n'importe quoi là. Là, vous retournez à Nose. Ah ouais, parce que j'ai. Au champ, elle est là-bas. Je voudrais bien aller acheter tout. Oh là là, les femmes, c'est incroyable ça. Nous laisse pas. Donc après on vient de manger là, on a grignoté sur l'herbe. Alors, on a trouvé. On a bien mangé sur l'herbe. On a fait un pique-nique. On a trouvé un petit truc, un petit coin. Un petit coin sympa. La police est intervenue. T'arriveras pas à faire ton live, t'y arriveras pas, tu vas. Et vous savez quoi? On a eu la visite de la police. On a eu la visite de la police. Il y a un perroquet ici. Vous savez pourquoi? Il est parti avant. Ah, elle est chiante celle-là. Ah, c'est pas vrai. Ouais, parce que notre abonné, ici, il est en train de rigoler. Et puis ils faisaient semblant de gueuler. Ils faisaient semblant de se battre et les flics sont arrivés. Et au moment où les flics sont arrivés. Les flics sont arrivés. Et puis les flics sont arrivés. Les flics sont arrivés. Casse-couille. Moi je crois qu'ils habitaient là, moi. Et ils nous ont demandé ça va messieurs dames, ça se passe bien? Bah oui, pourquoi il y a eu le problème là? Ah non, plutôt on a entendu crier, on a cru vous faisiez un appel au secours. Ah bah non, vous voyez bien qu'on est en train de pique-niquer là, on est tranquille, calme et reposé. Moi je leur ai demandé s'ils habitaient là. Et Cécile elle a demandé si vous habitez là. Et le policier il l'a regardé. Je dirais pas bizarrement, mais il a regardé, il a rien dit, il lui a fait un gros sourire. C'était un gros blague. Voilà, en plus c'était un joli policier. Pourtant, je suis pas pédé, mais il était pas mal comme garçon. Mais il était joli et très gentil et très souriant. Il avait un sourire d'ange. De charmeur. Un vrai dragueur, quoi, comme la police. Bah, c'était de la police, hein, je te signale. Hein. Oui, parce que c'est à cause de Cécile. Je vous explique, elle a voulu me taper. Elle m'a dit, viens, on va à l'arbre là-bas si tu veux te taper et tout. Et juste au moment où la police est passée, et je lui ai dit, vous savez quoi? Ils vont refaire deux demi-tours et ils vont venir nous voir. Ah, et ben, ça n'a pas loupé. Elle a commencé à m'attraiter de conne. Non, mais je lui ai dit connasse après, comme ça, gentiment. Attention, c'était pas méchant. Ouais, par contre, ils se sont insultés, hein. Mais pas méchant, quoi. Bah c'est la routine, quoi. C'est la routine entre femmes. Voilà, c'est ça, des vrais amis, qu'on s'entend alors, bien. Alors, je vous présente Action de Vigneux. Donc là, c'est Action. Donc Action, il est là.
Nous, ils étaient l'autre côté. Parce que je vous refais un petit vlog de Vigneux, parce que la dernière fois, je vous avais fait un petit vlog, mais il y a eu un gros souci sur mon PC. C'est qu'il a eu une mise à jour. Et le souci, c'est que toutes mes 6 vidéos que j'avais mis de côté et tout, pour vous présenter tout, toutes les vidéos, ils ont foiré. Donc, si bien que j'étais obligé de tout enlever. Et là, je suis obligé de recommencer petit à petit les vidéos que j'avais faites pour vous présenter. Donc là, les filles, on en retourne à Auchan, parce que les filles, apparemment, ils veulent faire pipi. Et on va reprendre le car. Et on va faire un tour à Sco... Comment tu dis? Stokomanie. Voilà, Stokomanie. Apparemment, il y a des trucs sympas là-bas, comme on n'y a jamais été. À côté de Belle Épine, comme c'est sur notre chemin. Donc voilà, on va aller faire un tour là-bas. Ouais, si on n'arrive pas trop. Bon, je pense que c'est bon, il est pas trop tard là. Donc c'est bon. Donc voilà. Voilà. On a encore passé une très belle journée. Encore la journée, elle n'est pas finie. Elle a fait que commencer. Et apparemment, il fait beau. Voilà. Ah, il fait très très beau, il fait super super chaud. Donc je vous ai vu comme quoi j'avais mis les j'avais remis des petites vidéos en plus là. Merci madame. Oh, un flamant rose. Donc là il y a Castorama. Castorama est là. Coiffure du monde. Petit custo. Donc avec un joli flamant rose. Voilà. Ah, c'est les cigarettes électroniques. Joli flamant rose. Bah, demande si tu veux l'avoir. Hein. Ah, ça me gratte. Bah, allez, les amis, on va vous laisser. Et à la prochaine vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao les amis. Hugues.